Bonjour à tous. Bonjour. Merci de nous retrouver. Ce n'est pas jour de relâche, hein, on fait une nouvelle émission. Alors le déroulé, Perrin, oui. Perrin n'a pas eu le temps de préparer, quoi que ce fût, d'ailleurs. J'ai décidé de calquer le déroulé de la vidéo sur le dernier exemplaire de Madame Figaro. C'est un journal de référence pour se rencarder sur les femmes, notamment. Ceux que ça intéresse, je ferai un best-of de tous les numéros depuis 1998. Ce sera un PDF. Par contre, il sera payant parce que ça demande un travail conséquent. Il sera question de ces maillots, vous voyez, qui sont noués sur le devant. Alors, oui, le consentement. Ça, c'est. La jeune génération ne comprend rien à rien. Dès qu'il y a une photo avec un maillot de bain. On nous parle de consentement, ce n'est pas ça, c'est pas de ça que ça cause. Alors, attendez. Oui, voilà. Le haut de maillot de bain en laine, c'est comme la petite robe en laine. On ne sait jamais quoi. Oui, on ne sait jamais. C'est un classique. Voilà, je présiderai aussi à un gros plan, un focus sur Estelle, ma cousine la fougère. Voilà, ça nous change de ces cousines vraiment exécrables qui faisaient de la mauvaise peinture dans leur petit studio et qui ont bien failli me refiler les oreillons. Donc celle-là, autant vous dire que je ne veux même pas en entendre parler. Et là, je vais faire un petit zoom. Non, c'est pas Louise Bourgoin, on ne fera plus que ça. Et on finira par un horoscope, hein. Notamment, sans spoiler, mais ceux d'entre vous qui sont balance, devenez vous-même, vous conseille le journal, très coquine et en plein renouveau d'accomplissement, notamment les 27, 28 et 30. Le 29. Je ne sais pas, faites une sieste, hein, faites un barbecue. Donc, au niveau de la lecture, je conseille Alphonse Allais, bien sûr, à l'œil. Oui, je ne l'ai pas lu, mais non, je viens de le trouver dans la boîte à livres. Donc, Alphonse Allais, pharmacien, agriculteur, inspecteur de biberon aux Invalides. Oui, ben, écoutez, c'est licencieux, la jeune génération. Vent debout contre ce genre d'énergumène, chevalier de plusieurs ordres distingués, ex-dentiste de plusieurs têtes couronnées. Voilà, ça c'est l'époque du Chat Noir, ce cabaret parisien qu'on a bien connu. On savait dessiner à l'époque, on avait des canotiers, baisse accidentelle de la Seine, encore des bicyclettes, c'est de l'humour qui est un petit peu vieilli. Mais effectivement, ça. C'est un petit peu vieilli, peut-être, mais ça reste de bon aloi. Et on va peut-être pouvoir recycler des choses dans nos prochaines vidéos. Deuxième livre, Barbara Constantine, tome, petit tome, tout petit tome, tome. Alors là, je sais ce que ça vous. Oui, il y a comme un ver d'oreille qui nous parvient d'une lointaine planète. Parce que si je vous dis tome, petit tome, tome, tome. Vous dites, mais ça me rappelle Tom Tom Tommy. La fameuse comédie musicale de Philippe Châtel. Les mini jolies arrêtées. Nombre de gens se piquent d'avoir Émilie Joly dans leur collection, mais ont-ils Tom Tom Tommy? Sachant que ça, c'est le premier épisode. Hein. Bon, il n'y a eu qu'un épisode, mais bon. Ça, c'est la. La secrétaire est attachée à un totem qui dit Tom, Tom, Tommy, au secours. Et en fait, c'est Thomas Hardy qui travaille dans un bureau et il s'endort sur ses dossiers. Il se prend à rêver qu'il est Ben-Hur, qu'il est sur un bateau pirate, c'est un flibustier, et qu'il doit sauver la belle secrétaire. Voilà, donc c'est une.
Oui, c'est con comme un balai. Arrêtez, c'est très beau, c'est très joli. Écoutez, c'est raconté par André Dussolier. Featuring de qualité, hein. Parce que qui raconte mieux les histoires qu'André Dussolier, hein? On se souvient qu'il racontait l'histoire de d'Audrey Tautou dans le film. Il était une fois un héros fabuleux qui s'appelait Tom Tom Tommy. Je suis un employé timide dans la rue des pyramides. Assis derrière mon guichet, je compte des milliers de billets. Je suis pas riche pour autant, la fin de la journée je l'attends pour voir enfin ma bêtise. Rater le bus et prendre un taxi. Mon nom c'est Tom, Tom, Tommy. Ferme les yeux et regarde. Garde bien les yeux fermés. Les volets de ton visage. Si tu viens à me bouger. Avec mon stylo à billes, j'écris le mot Caraïbe. Et j'ai tout de suite à l'oreille droite, pas un diamant mais une agate. Je vogue au loin sur ma frégate vers le trésor des grands pirates. Et mon cœur et mon corps. Moi j'aime bien, c'est un peu West Coast Beach. Autant Émilie Joly, je trouve ça tartignole. Oui, on a quand même des limites, hein. Et j'aime bien Philippe Châtel en général. Toujours des belles guitares, c'est toujours oui, c'est toujours country, mais je veux dire là c'est sympa, c'est West Coastish. Alors c'est un peu oui, c'est un peu glandu au niveau de l'histoire, mais ça c'est il faut accepter le postulat. Voilà, alors peut-être rien à voir avec le livre, hein. Donc ça vient de Book In, boutique à la tomate qui vend des vieux livres. Ils mettent encore des étiquettes comme ça, comme au temps de Vercingétorix. Ils ont tout un sous-sol, c'est rempli de vinyle, énormément de singles 45 tours, mais il faut demander pour descendre, parce que ce n'est point illuminé. Donc il faut y aller avec sa lampe de poche. Moi, je n'osais pas demander tout ça, mais des fois, le mec qui me voyait un petit peu, il m'a dit, vous pouvez descendre. J'étais descendu. J'ai trouvé de ces trucs. On les vendait 5 euros, c'était des vinyles tout cabossés. Mais c'est ça qui est beau, on est dans la cave. La cave au vinyle. Alors un album pour lequel j'ai préparé une petite analyse de texte. Il s'agit de Joe Jackson. Un être torturé, un être malencontreux. Mais non, je ne parle pas de vous, restez calme. Joe Jackson, enfin sur cette chaîne, on s'intéresse à la famille Jackson. Et oui, n'est-ce pas le meilleur dans cette famille? Parce que Latoya, non, excusez-moi du peu, mais Latoya, c'est pas terrible. Hein. C'est funky, si l'on veut. C'est quand même pas. Il n'a pas inventé la. Oui, il a pris la foudre, j'en sais rien. Mais... Joe Jackson est né à Burton-upon-Trent dans le Staffordshire. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chaînes vinyles qui vont à ce point dans le détail des petites bourgades anglaises. Un album de 1982 avec du xylophone qui est censé nous évoquer une journée passée à New York puisqu'il a déménagé. Il est parti d'Angleterre. Alors moi je reste attaché à ses deux premiers albums qui sont très british et très angry young man. C'est-à-dire qu'il avait les nerfs. Hein. Il les a toujours. Hein. Il est toujours aussi, aussi grincheux. Il chante avec une belle assurance, hein, c'est étonnant. Donc c'est un album audacieux, un peu arty, un peu complexe. Donc attention, hein, si vous êtes un peu bas du front, un peu bas de plafond, n'écoutez pas ça, hein, parce que c'est arty. Oui, non, ne l'écoutez pas, Perrin. Vous êtes un être simple. Oui, un cœur simple. Donc il y a pas mal de percussions, je préfère le dire, hein.
C'est assez latin, latine. Des batteries latines puantes. Voilà, de véritables chiottes à la turque percussifs. Mais c'est ça qui est bon. Hein. C'est ces arrangements et ces cheveux clairsemés autant que récessifs. Et on le voit sur le dessin là. Et cette ambiance propre et sophistiquée, et cette satire, ces timbales ridicules et ces paroles un poil shootées au comique et au cosmique qui parviennent même à être possiblement bonnes, parfois. On se donne la peine de savoir de quoi que ça cause. Mais c'est un album un peu casserole et breloque, et qui au final est très très bon, voire même assez addictif. Hein. Moi j'ai eu des périodes où je l'ai beaucoup écouté. Alors j'ai la version simple. Il existe une version gatefold. Ben moi j'aime bien les trucs simples. Voilà, il n'y a pas d'embrouille. Et si vous voulez voir à l'intérieur du gatefold, ils ont mis un insert. Et vous voyez ce savant fou. C'est de la kitchen music, hein, tout simplement. Voilà. Il s'en paye une bonne tranche de jazz pop. Donc Joe Jackson, c'est quand même un super album, il y a des bonnes compos là-dessus, moi j'aime bien. Les chansons, du moins dans la face A, elles s'interweave, ça s'enchaîne, c'est très beau. Même s'il y a des casseroles, c'est super. Et la face B, il y a Cancer, où il dit que tout te donne le cancer. C'est une satire, parce qu'il est très, très satirique. Hein. Mais je veux dire, il y a un jeu de piano là-dessus. Parce que c'est un mauvais coucheur, mais c'est aussi un sacré pianiste, hein, le mec. C'est un peu gourmet. Arrêtez, qu'est-ce que ça veut dire déjà? J'ai bien aimé. J'ai bien aimé de tout temps, c'est un classique. Hein. J'aimais bien aussi l'album Blaze of Glory,
un peu le même genre. Mais ça, c'est... C'est arty, hein, voilà, ça ressemble à rien d'autre, je trouve. C'est un peu comme quand j'écoute les Pet Shop Boys, comme j'ai pas l'habitude. Là, j'ai toutes ces percussions latines. Je me dis, oulala, c'est fresh, on n'a jamais entendu ça nulle part. Et peut-être qu'effectivement, on n'a jamais entendu nulle part. Ce qui ferait dire dans la presse que c'est un peu le meilleur de toute la famille Jackson, je veux dire. C'est vraiment un des meilleurs. Joe. C'est pas comme chez les Dalton, si vous voulez. Parce que Joe, c'était une teigne. Mais lui aussi... Oui, mais je me demande s'il n'y a pas matière à creuser. Là. Oui, à creuser un tunnel. Donc, vous le savez, je suis un glouton de catharsis. Et c'est pourquoi je me suis... Attendez, je vais l'expliquer. Je me suis procuré cet album. Cet album qui est comme une botte de foin qui aurait perdu sa paille. Non, comme un cheval mort, que l'on traînerait dans la boue. Oui, ça fait envie, mais c'est sûr. Donc, Jason Molina, arrêtez. Vous n'y connaissez rien, c'est pas ça. C'est The Magnolia Electric Co. Alors, ne vous laissez pas abuser, hein. On ne vous vende pas la place un truc des Electric Prunes. Non, c'est pas les Electric Prunes. C'est Electric Co, Magnolia Electric Co. Alors, c'est de la country alternative indépendante. Par une nuit pluvieuse, ce style musical nous arriva par les États-Unis, hein. Oui, par le siège. Le siège de la FBI, du FBI. C'est un album de nuit d'automne, les nuits de pleine lune, où Eric Rohmer allait caster des actrices dans la forêt. Oui, non, mais ça, je l'ai rajouté parce que vous l'aviez oublié. Comme un aveu de culpabilité, ou le processus consistant à mettre tout simplement un squelette dans un placard, comme les disparus de Saint-Agile. C'est ça, un squelette. On voit le hibou. Et après, il y a les pelotes d'éjection, parce qu'ils mangent le mulot d'un coup. Et après, ils font des... comme des petites boules momifiées. Et moi, à l'école primaire, on allait les chercher en haut du clocher. Enfin, l'institutrice allait les chercher. Assez risqué et péril. Hein. Elle serait tombée qu'on aurait rigolé. Hein. Elle les rapportait et on les disséquait avec des petites pincettes, hein, comme pour les escargots. Et on voyait des os de mulot. Il y avait tout un tas de trucs, des plumes. C'est marrant comme c'est foutu. Hein. L'appareil digestif du hibou. Je vous conseille si vous avez l'occasion. Vous voyez, on trouve des crânes comme ça d'oiseaux. Ça donne une idée de l'état de décomposition du songwriting sur ce genre de disque. Alors il semblerait que ce soit une édition un peu luxe. Il n'y a que nous sur qui ça tombe. Il y a l'album et après il y a les démos. Alors l'album n'est déjà pas très joyeux. Alors les démos là, c'est cadavéresque. Ça, je préfère vous le dire. C'est le squelette du placard. Voilà, c'est un des disques les mieux notés du genre country alternative, country heart. Bon, même si pour moi, je voulais terminer là-dessus, il n'y a pas vraiment d'alternative à la country. Vous serez obligé d'y arriver. Ou alors c'est que vous avez renoncé à séduire ou à être séduit.
I hear that station